وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. Chapitre numéro 35 concernant l'ostentation. Donc nous avons terminé, bihamdillahi azza wa jal, hier le chapitre concernant la patience, l'endurance devant les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, nous entrons dans un chapitre ayant la plus grande importance, qui concerne chaque musulman. Donc il faut être vraiment attentif à ce cours. C'est un point qui est très dangereux. Pour celui qui est savant, que dire alors de celui qui l'ignore? Ar-riya min ra'a yura'i mura'atan wa riya'a. وفي الاصطلاح فعل الخير لإرادة الغير، أي أن يعمل العامل بالعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بفعلها له للغير، أو أن يقصد بهذه غير وجه الله تبارك وتعالى فيظهر عمله كي يراه الناس ليمدحوه. ويعظم في قلوبهم. الرياء dans ce mot on voit qu'il y a qu'on nous parle de quelque chose de vu, la vision. La définition de ce mot, l'ostentation, c'est le fait de faire une adoration afin d'être vu par autre qu'Allah. Le fait de faire une adoration afin d'être vu par autre qu'Allah. Pourquoi cela? Pour avoir une place dans le cœur des serviteurs d'Allah, pour recevoir leurs éloges. Certains savants ont défini Ar-Riya en disant: c'est le fait de faire le bien à la recherche de l'autre, c'est-à-dire autre qu'Allah. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, Ar-Riya, c'est quoi? Une personne met en pratique une adoration, une chose qu'Allah Azza wa Jalla a ordonnée. Mais lui, dans son intention, lorsqu'il fait cette adoration, il recherche aussi à travers cela les éloges des gens. Il veut être vu dans cette adoration pour prendre de la place dans le cœur des serviteurs d'Allah, pour recevoir leurs éloges. Voici ce que signifie l'ostentation. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Ar-riya mukhillan bit-tawhid. Amuhbitan lil-amal alladhi qaranahu. Fadhakarahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi linahdhara. L'ostentation fait partie des choses qui affectent le tawhid de la personne et qui annulent l'action du serviteur.
Donc l'auteur l'a cité dans son livre afin de nous mettre en garde et qu'on fasse attention. قد كثرت الأدلة من القرآن والسنة على بيان خطورة الرياء. Et nombreux sont les textes du Coran et la Sunna qui nous montrent la gravité, la dangerosité de l'ostentation. جاء في الأدلة أنه الشرك الأصغر وفي أدلة أخرى أنه الشرك الخفي. وفي أدلة أخرى أنه شرك السرائر كل هذا لبيان خطورته وشدته وقدحه في العمل وضرره على صاحبه. Donc nombreux sont les textes qui nous parlent de l'ostentation et nous montrent sa gravité. On l'a appelé dans certains hadiths le polythéisme mineur, dans d'autres le polythéisme caché. Tout ça pour nous montrer la gravité et sa dangerosité. فهو من أعظم أمراض القلوب الباطنة الرياء l'ostentation est une des maladies les plus graves à l'intérieur du serviteur. Et c'est une des maladies desquelles nous devons nous prémunir et qui nécessite de notre, qui demande de notre part des efforts continus et d'être toujours vigilant. لأن الداعي إليه قوي, car ce qui pousse la personne à tomber dans l'ostentation est fort. Il y a une shahwa, khafiyya, il y a une passion cachée. C'est quoi? C'est le fait de vouloir être aimé par les gens, avoir une place dans le cœur des gens, dans le regard des gens, briller devant les gens. Ça, c'est une shahwa qui sommeille à l'intérieur de la plupart des gens. Avoir un nom, avoir une place. Les gens aiment les éloges, même si les paroles sont fausses. Ils n'aiment pas la critique, même s'ils ont le défaut. Donc, c'est une maladie qui peut toucher les savants, les étudiants, les personnes pieuses et tout le monde. Certains parmi les savants disent, si je me souviens bien, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, فذلك البحر الذي لا ساحل له فقل من ينجو ولا ينجو إلا من نجاه الله. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, l'exemple de l'ostentation est à l'exemple d'un homme qui a été jeté au milieu de la mer. C'est la mer autour de laquelle tu ne vois pas les côtes. Yani, tu es au milieu de la mer, tu regardes à ta droite, devant toi, tu ne vois pas les côtes. Qui est-ce qui pourra être sauvé? Personne, si ce n'est celui qu'Allah aura sauvé. Ar-Riya, c'est aussi dangereux que cela. Quelqu'un qui est dans la mer, au milieu de la mer, il regarde devant lui, il ne voit pas le bord, il ne voit pas les côtes. Donc il pourrait se dire, je vais nager jusqu'à atteindre yani, la côte. Mais subhanallah, il ne voit même pas à vue d'œil le bord, le sable, les côtes. Qui pourrait être sauvé? Quelqu'un qui est au milieu de la mer ainsi, qui est-ce qui pourrait être sauvé? Personne, si ce n'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura sauvé. C'est ça ar-riya. Ar-riya, c'est ce que vous venez d'entendre. فَحَرِيٌ بِطَالِبْ أَيَتَفَقَّهَ فِيهِ ليجتنبه ويدعو الله سبحانه وتعالى يخلصه منه. Et tous les textes concernant al-shirk ont une al-riya, on a une part. Si vous comprenez la gravité de al-riya, tous les textes parlant de la gravité du shirk, al-riya, on a une part. ويكفيك أن تعلم أن المرائي أو أن مرائي أول من تسعر به النار. Ça te suffit de savoir que les premiers pour qui le feu a été attisé sont les ostentateurs.
comme c'est venu dans le hadith. Les premiers sont quelqu'un qui a combattu dans les sentiers d'Allah. Un autre qui était savant, qui a lu le Coran, mémorisé le Coran. Et un troisième qui était généreux, qui dépensait. On va les convoquer et leur demander. Le premier, celui qui combattait dans les sentiers d'Allah. On va lui citer les bienfaits, il va les reconnaître. Puis on va lui demander, qu'est-ce que tu as fait avec ces bienfaits? Il va dire, j'ai combattu pour ta cause et pour que la parole soit la plus haute. On va lui dire, kadhabt, tu mens. Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de courage. Pourquoi donc? Pour les éloges. Waqad qil, et en effet on l'a dit. Tu cherchais les éloges, tu les as reçus. Les gens parlaient en bien de toi, de ton vivant ou après ta mort. Mais aujourd'hui tu n'auras aucune récompense de ma part. On va appeler les anges, ils vont venir, ils vont le prendre, le traîner, le jeter en enfer. C'est qui? Quelqu'un qui combattait dans le sentier d'Allah. On va appeler un savant. Un savant du Coran. On va lui dire, on va lui faire reconnaître les bienfaits. Il les reconnaîtra. Puis on va lui dire, qu'est-ce que tu as fait avec? Il va dire, j'ai mémorisé le Coran et je l'ai enseigné. On va lui dire, kadhab, tu mens. Tu as fait cela pour qu'on dise de toi, tu es un lecteur, tu es un savant. Et en effet, les gens l'ont dit. Regardez, subhanallah, la justice d'Allah. Ils ont fait quelque chose pour dunya, Allah Azza wa Jalla leur a donné cette dunya. Tu n'auras aucune récompense aujourd'hui de ma part. On va appeler les anges, ils vont le prendre, se saisir de lui, le traîner et le jeter en enfer. Un savant du Coran. Puis, quelqu'un qui était généreux et qui dépensait. On va lui faire reconnaître les bienfaits, il va les reconnaître. Puis on va lui dire, qu'est-ce que tu as fait de cela? Il va dire, je ne l'ai pas laissé une contrée, un endroit sans dépenser pour ta cause. Il a donné à toute personne dans le besoin, il donnait. Il donnait par là, par là, par là, par là. On va lui dire, Kadhab, tu es un menteur. Tu as menti, tu mens. Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi, Jawad, que tu es quelqu'un de généreux. Et en effet, on l'a dit. Aujourd'hui, tu n'auras aucune récompense de ma part. Ils vont le prendre et le jeter en enfer. Abu Huraira, radiallahu anhu, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il a dû le reprendre trois fois. Pour raconter ce hadith qu'il a entendu du prophète sallam, il n'a pas réussi, si ce n'est à la troisième fois, subhanallah. Tellement que ce hadith était effrayant. Il l'a dit une première fois, il n'a pas réussi à le dire, il s'est évanoui. Puis il s'est réveillé, il a repris à nouveau, il s'est évanoui une seconde fois. Puis la troisième fois seulement, il a réussi à le prononcer. Et il a dit le hadith. Lorsqu'il a transmis ce hadith à Muawiyah radiallahu anhu, qui était le gouverneur Ayy, Muawiyah, c'est comme s'il est tombé malade. Subhanallah. On transmet le hadith à Muawiyah. Un homme vient en voyage, il dit le hadith. Et on voit Muawiyah qui ne s'arrête de pleurer. Il était mal. Et les gens à l'écart disent, cet homme veut du mal à notre gouverneur. Subhanallah, il lui a parlé, regardez son état. Et en fait, c'est quoi? Il lui disait le hadith. Il lui disait le hadith. Et Muawiyah a dit à la fin de cela, si ces trois premiers sont les si ces trois personnes sont les premiers qui vont être jetés en enfer, que dire alors des autres? C'est quoi leurs actions? Subhanallah. Al-Mujahid, Al-Alim, Al-Qari, Al-Qur'an, Al-Jawad. Ils ont parmi les meilleures des actions. Mais quel est leur point commun? Al-Riya, l'ostentation. Ils ont pris la meilleure des actions, mais ils ont recherché avec elle Ad-Dunya. Et ça sera le chapitre prochain, Inch'Allah. Le fait de rechercher Ad-Dunya avec des actions de l'au-delà. Muawiyah est tombé malade. Abu Huraira s'est évanoui. Et certains parmi les savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disaient, voici le hadith qui a effrayé les gens de science. Que tu étudies, tu essaies de mettre en pratique, mais tu ne sais pas si tu ne seras pas de cela.
أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى يحفظنا. Certains salafs disaient, Man la yukhlis la yata'ab. Celui qui n'est pas sincère, qu'il ne se fatigue pas. Parce que Riya annule les actions de la personne. Et le hadith que je vous ai cité, il est rapporté par un muslim, rahimahullah ta'ala. Al-ikhlas, kama ta'alamun, shartun min, shurut, kaboul il-amal. La sincérité, comme vous le savez tous, c'est une condition de l'acceptation des actes auprès d'Allah. Bah, Al-Riya empêche les actions d'être validées. Parce qu'il perd son ikhlas lorsqu'il recherche les éloges des gens. Donc tous ces points nous montrent quoi? La gravité de l'ostentation, et que vraiment on doit se pencher sur ce sujet, l'étudier, le comprendre, pour pouvoir s'en éloigner, s'en préserver, demander à Allah Azzawajal qu'il nous en préserve. Parce que personne n'échappe à cela, si ce n'est celui à qui Allah Azzawajal a voulu le bien, il l'a préservé. Personne. Il se peut que tu parles et que dans un discours de 30 minutes, Riya soit entré plus d'une fois et qu'au final tu ne saches même plus pour qui tu as parlé. Parce que ton intention, elle peut tourner. Comme disait l'imam Malik, rahmahullah ta'ala, je n'ai pas trouvé une chose plus difficile à maîtriser que mon cœur et l'intention. Wallah al-musta'an, Allah al-musta'an. Si ça, ce sont nos savants, si cela sont nos savants, qu'allons-nous dire nous qui essayons d'être de petits étudiants? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hakadha naqul. Donc Allah n'accepte pas les actions de l'ostentat. Comment on va dire ça? Sahib al-Riya, l'ostentateur, ça se dit? De l'ostentateur. Amma aqsamu al-Riya, fahuma al-Riya al-Akbar, Riya al-Munafiqin, wa ma yusamma bi yasir al-Riya, kama kana yu'abbir bih Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa taqul al-Riya al-Asghar. Donc l'ostentation se divise en deux. Il y a l'ostentation majeure, la grande ostentation, c'est l'ostentation de qui? Hein? Des hypocrites. Des hypocrites. C'est le fait de cacher la mécréance dans son cœur et de faire montrer l'islam. Ça c'est l'hypocrisie majeure, l'hypocrisie des hypocrites. C'est des koufas, mais ils font apparaître l'islam pour pouvoir avoir accès aux avantages des musulmans et préserver leurs intérêts. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Al-munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah illa qalila. » Certes, les hypocrites essayent de tromper Allah, mais c'est eux qui se font tromper. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils font les actions pour le regard des gens. Ils tombent dans quoi donc? L'ostentation. Et n'invoquent Allah que très peu. Pourquoi ils se lèvent pour la salat avec paresse? Parce qu'ils ne font pas pour Allah. Pourquoi ils invoquent Allah que très peu? Parce qu'ils invoquent Allah que lorsqu'ils sont vus. Hein? Parce que dans leur cœur, il y a le kufr. Mais en apparence, ils montrent l'islam. Et Allah Azza wa Jalla a révélé une sourate où il les dévoile. Comme dans Sourate al-Tawbah. Et une sourate, Sourate al-Munafiqoun. Ils ont des signes. Ils ont des signes. Là n'est pas notre sujet. Ensuite, il y a An-Nifaq al-Asghar. Ou bien Yassiru. Ou plutôt, non, j'ai confondu deux choses. Ce qui est passé est bon, mais je vais reciter les bons termes. Donc ce que je divise là, c'est pas l'hypocrisie. Ce que je divise, c'est Riya, c'est l'ostentation. Donc il y a l'ostentation majeure. Éteins ce fion. Donc il y a l'ostentation majeure, c'est l'ostentation des hypocrites. Ceux qui cachent la mécréance dans leur cœur et font montrer l'islam. Et il y a l'ostentation mineure qui peut être commise par le musulman dans certaines adorations.
Donc il fait l'action. Lorsqu'il fait l'action, à la base, il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour Allah. D'accord? Lorsqu'il fait l'action, à la base, il l'a fait pour Allah. Mais il recherche aussi à travers cela, ou pendant son action, entre l'ostentation, il recherche aussi à travers cela, les éloges des gens. Les éloges des gens. Donc, riya de manière absolue, ça vient sur les hypocrites. Mais ainsi, comme je viens de citer ensuite, ça peut venir des musulmans. L'auteur a cité la fin de Sourate Al-Kahf. Dit, c'est-à-dire au messager d'Allah, aux gens, je ne suis qu'un homme comme vous. C'est-à-dire, je n'ai aucune part dans l'Ouloubiyya, dans l'Ouloubiyya. Il m'a été révélé. Voici la différence entre moi et vous. C'est que j'ai reçu la révélation, je suis un prophète et messager. Que votre divinité est une divinité unique. Que votre divinité est une divinité unique. تتمة الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La suite, la fin du verset. Celui donc qui espère la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et n'associe rien dans le culte de son Seigneur. قل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أداة الحصر أنا بشر مثلكم. أليس لي من خصائص الربوبية الرزق والخلق وما إلى ذلك ولا الألوهية يوحى إلي هذا هو الفرق بيني وبينكم أنما إلهكم إله واحد وأعظم ما أوحي إلي الأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة. Il m'a été révélé que votre divinité est unique. Donc la plus grande chose qui a été révélée, à laquelle je vous invite, unifier Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Innama ilahukum ilahun wahid. La ma'bouda bi haqqin illa Allah. Al mustahiqu lil ibada huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih fasarahu jam'un min as-salah bi annahu ru'yatullah. Wa tawatarat al-adilla 'ala anna Allah yura fi mawdi'ayn. Tawarasat al-qiyama wa fil jannah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Al-'amal as-salih huwa alladhi qama 'ala al-ikhlas wa mutaba'ati an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam. Wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Donc, celui qui espère la rencontre avec son Seigneur, Allah Azza wa Jal sera vu par les croyants sur la place du jugement dernier, puis au paradis. As-salamu Allah subhanahu wa ta'ala munna alayna bi nazar ila wajhil karim. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan. Qu'il fasse de bonnes actions. L'action qui est bonne, c'est l'action qui a été faite sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'associe rien dans le culte de son Seigneur. Wala yushrik la nahiya bi ibadati rabbi ahada ahada nakira fi siyaq an-nahy fa ya'um. Ila malak wala nabi wala hajar wala shajar wala wali wala shams wala qamar. Donc, il n'associe rien dans le culte de son Seigneur. Rien, donc, ni prophète, ni ange, ni pierre, ni arbre, ni wali, ni quoi que ce soit. On doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala dans un culte sincère. Et dans cela, il y a une réfutation aux associateurs de notre époque, aux associateurs Mada, qui sont venus après Kufar Quraysh, qui disent, les textes qui sont venus sur Ash-Shirk concerne ceux qui ont adoré les idoles seulement. Alors que nous, on demande à Shafa'a, on invoque les pieux, on invoque les saints. Hein? Ici, Allah a dit Ahada, il n'a pas fait de différence. Donc si tu invoques une pierre, ou tu invoques une statue, ou tu invoques un prophète, c'est la même chose.
Celui qui invoque un autre qu'Allah, qui adore un autre qu'Allah, c'est un mushrik. C'est un mushrik. ولاحظوا يعني كمال القرآن والدقة في اللفظ وجماله ولا يشرك بعبادة من ربه ما قال عبادة الله تنبيها على ماذا أن الرب هو المستحق للعبادة بمن هو الرب هو الذي ينبغي هو الذي يستحق أن يعبد كقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم نعم donc remarquez ici qu'à la fin du verset on nous dit donc où je vais reprendre il m'a été dit je ne suis qu'un homme comme vous il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique celui donc qui espère la rencontre avec son Seigneur qu'il fasse de bonnes actions et n'associe rien dans le culte de son Seigneur. Rien dans le culte de son Seigneur. Donc on voit le mot Rabb. Pourquoi? Parce que parmi les preuves de l'unicité d'Allah dans Al-Uluhiyya, il a l'unicité d'Allah dans quoi? Al-Rububiyya. Donc, du fait qu'Allah est le seul créateur, le seul gérant, le seul propriétaire, vous devez adorer que lui. Non. Donc le sens de ce verset أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للناس أنه بشر لا فرق بينه وبين الناس من هذه الجهة فليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية وأن لا يجوز لهم أن يعبدوا مع الله غيره أيضا لا بد من المصير إليه فالذي يرجو النجاة أي في النجاة في هذا اليوم عليه أن يتزود بالعمل الصالح ورأس الأمر الإخلاص وترك الشرك donc ici Allah ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens que c'est un homme comme les autres ne possède aucune part dans la seigneurie ni dans l'adoration mais la différence entre lui et les autres c'est que Allah l'a choisi en tant que prophète et messager afin qu'il transmette aux gens et appelle les gens à unifier Allah d'un culte sincère car c'est leur Seigneur. On nous informe également dans ce verset que notre retour se fera vers Allah. Nous devons donc prendre nos provisions. Celui qui espère cette rencontre, qui a peur pour ce jour, il doit prendre ses provisions. Et la meilleure des provisions, c'est l'ikhlas et s'éloigner du shirk. مناسبه الايه للباب يعني الشاهد فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. Donc الشاهد c'est la fin du verset. أمر الله سبحانه وتعالى أو نهى الله سبحانه وتعالى من الشرك ومن جملة الشرك الرياء أمر الله الله nous a ordonné de nous éloigner du shirk et entre dans le shirk l'ostentation donc ce verset nous interdit l'ostentation بل فسر سعيد ابن جبير تابع الجليل رحمه الله تعالى هذه الآية فقال أي لا يرائي بعبادة ربه أحدا. سعيد بن جبير، qui est un des grands parmi les plus prédécesseurs qui a pris la science de son compagnon, a dit, a expliqué ce verset en disant, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas d'ostentation. Qu'il ne fasse pas d'ostentation. واستفاد من الآية أن أصل الدين إفراد الله بالعبادة. Tire de ce verset que la base de la religion c'est quoi? C'est le tawhid. C'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans un culte sincère. On tient également que Riya fait partie du polythéisme. On voit aussi de ce verset que, on comprend aussi de ce verset que le polythéisme qui a été fait ou commis par les associateurs et le polythéisme dans l'adoration.
بالجملة. لا يجوز أن يعبد مع الله أحدا من الأصنام ولا من الأنبياء ولا من الصالحين، لأن أحدا نكرة في سياق النهي فيعم. L'interdiction d'adorer qui que ce soit en dehors d'Allah, que ce soit un prophète, un ange, une personne pieuse, une pierre, un arbre ou autre. La preuve que le tawhid rububiyya tastalzim, yastalzim tawhid al-uluhiyya. L'unicité d'Allah dans la seigneurie doit entraîner l'unicité d'Allah dans l'adoration. Parmi les preuves de l'unicité d'Allah dans l'adoration, il y a l'unicité d'Allah dans la seigneurie. En d'autres termes, celui qui est unique dans sa action envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, celui qui donne la vie et la mort et ainsi de suite, est le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui n'arrache des associateurs, c'est un bon point de départ. De lui faire reconnaître qu'il y a un créateur, puis que c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, puis qu'autre que lui n'est pas capable de faire cela, donc on doit délaisser l'adoration de d'autres qu'Allah et adorer qu'Allah Azza. Puis l'auteur nous a cité quelques hadiths. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. Selon Abu Huraira, qui attribue ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le Très-Haut a dit, donc c'est un hadith qu'on appelle Qudusi, à thème divin, je suis celui qui se passe le plus des associés. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il m'associe à un autre, je les délaisse lui et son association. Ou bien lui et son associé. Apporté par Moussi. Ana aghna. طيب اولا هذا الحديث حديث قدسي. Ce qu'on appelle un hadith qudusi. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite la parole d'Allah mais qui n'est pas dans le Coran en disant Allah a dit. D'accord, c'est lorsque le prophète cite la parole d'Allah, mais qui n'est pas dans le Coran en disant Allah a dit. Voyez. Ce hadith a été cité avec d'autres versions. عند أحمد وابن ماجه يعني في رواية أخرى. فأنا منه بريء وهو الذي عمل. Dans une autre version du hadith, Allah dit et je m'en désavoue et il sera pour celui pour qui il a été fait. أنا أغنى يعني من أفعال التفضيل وقد يستعمل التفضيل وليس ثمة قدر مشترك يقارن فيه بين الأول والثاني. Donc ici Allah nous dit dans ce hadith, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Ça ne veut pas dire qu'autre que lui s'associe à lui est dans cette chose-là. Des fois, tu dis un superlatif sans qu'autre que toi ait une part dans ça. Et des exemples ont été cités dans le Coran. Par exemple, Allahu khayrun amma yushrikun. Est-ce qu'Allah est le meilleur ou bien ceux qu'ils associent? Ça ne veut pas dire qu'il y a du bien dans leurs associés. Ou bien dans un autre verset qui sera peut-être plus clair pour vous. Ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarra. Les gens du paradis seront ce jour-là dans la meilleure position, dans la meilleure demeure. Est-ce que ça veut dire que les gens de l'enfer, eux aussi certains seront bien, mais que les gens du paradis seront mieux? Ou ça veut dire que les gens du paradis seront dans une bonne demeure et que les autres seront dans une mauvaise? C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Je suis celui qui se passe le plus d'associés.
ou d'association. Et Allah Azza wa Jalla s'en passe largement et totalement. Allah n'a pas besoin d'associer. Ce sont les serviteurs, eux, qui ont besoin d'entraide. Mais Allah Azza wa Jalla, les kamali, rina, par la perfection de sa richesse, de sa force, il se passe largement des montres. Donc, au point, il n'accepte pas une action qui est faite, même si elle est faite pour lui et pour un autre. Même dans ce cas-là, il n'accepte pas. On aurait pu dire, si elle est faite pour un autre, il n'accepte pas, on comprend. Non, même s'il y a une part, aussi infime soit-elle, qui est faite pour un autre, Allah n'accepte pas. Parce qu'il n'a pas besoin de nous. Donc il a décrété, il légiféré, qu'il accepte l'action que lorsqu'elle est comme ceci et comme cela, autre que ça, il ne l'accepte pas, car il n'a pas besoin de nous à la base. Mais c'est pour nous rétribuer. Par pitié envers ses serviteurs, et car il veut le bien pour eux. Man amila amalan, mimma yuta'abbadu Allah bih, celui qui donc qui fait une action, c'est-à-dire par mes actions avec lesquelles on adore Allah, ashraka ma'iya fihi ghayri, ay qasada bi'amalihi ghayr Allah ayyan kan, c'est-à-dire qu'il a visé à travers son action avec laquelle on adore Allah, autre qu'Allah, quel qu'il soit. Il a recherché ses éloges, il a recherché une place auprès de lui. Taraktuhu wa shirka. Quelle sera la rétribution? Je l'abandonne lui, je le délaisse lui, ainsi que son association. Ou bien ainsi que son associé. C'est-à-dire qu'Allah ne l'accepte pas, cette action. Allah ne l'accepte pas. Donc ne le rétribue pas. C'est-à-dire donc ne le récompense pas. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل من العمل إلا الذي أخلص له وأنه لا يقبل العمل الذي دخله الشرك والرياء. Donc dans ce hadith Qudusi, Allah nous informe qu'il n'accepte pas l'action dans laquelle est entré le polythéisme et l'ostentation. Il accepte plutôt que ce qui a été fait sincèrement pour lui, subhanahu. مناسبة الحديث للباب التحذير من الرياء لأن الله لا يقبل العمل الذي دخله الرياء أو غيره من أنواع الشرك. لو ترى ce hadith dans ce chapitre, car il y a une mise en garde contre eux, l'ostentation. Du fait qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas l'acte d'adoration qui est fait par son serviteur lorsqu'il y a du shirk, lorsqu'il y a de l'ostentation. Et Allah n'accepte que ce qui est fait sincèrement pour lui. ما يستفاد من الحديث التحذير من الشرك بجميع أشكاله وأنه مانع من قبول العمل. On tire de ce hadith la mise en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes, car il empêche l'acceptation de l'action auprès d'Allah ainsi que la récompense. وجوب الإخلاص في جميع الأعمال لله عز وجل. L'obligation de se montrer sincère dans l'ensemble des actes d'adoration. وصف الله بالغنى ووصفه بالكلام. Parmi les attributs d'Allah, la richesse et la parole. La parole, parce que c'est un hadith Qudusi. D'accord? Allah dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Donc il a parlé, Allah parle, comme il s'y est à sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ses attributs, al-ghina, ana aghna, shuraka anishin. La richesse. La richesse totale, absolue. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله dans le Coran, dans surat Fatir, où vous les gens, vous êtes les besogneux devant Allah, où vous les gens, vous êtes dans le besoin devant Allah, vous ne pouvez vous passer d'Allah. Allah lui est le riche, le digne de louange. Allah est pas à la richesse mutlaq, la richesse totale. Donc il se passe de tout le monde. Wallahu al-Ghani al-Hamid, le digne de louange. On a cité ce nom à côté de l'autre. Il y a une grande faïda dans cela. Il y a une grande science, retenez bien. Parmi les sciences les plus magnifiques, celles qui embellissent le plus le cœur du serviteur et qui apaisent le plus sa poitrine et élargissent le plus sa poitrine.
Ibn al-Qayyim dit, à un point, Ibn al-Qayyim dit, médite sur cette science. C'est parmi les meilleurs. Wallahu al-Ghani. Allah est le riche. Al-Hamid, le digne de louange. Allah nous a créé, nous a ordonné de l'adorer. Est-ce que c'est parce qu'il a besoin de nous? Non, Allahu al-Ghani. D'accord, et si tu ne l'adores pas, de toute façon, c'est Al-Hamid. Mafhoum? Si tu adores Allah, sache qu'Allah n'a pas besoin de toi, c'est Al-Ghani. Toute ton adoration, l'ensemble des gens qui l'adorent, n'augmentera en rien le royaume d'Allah ni ses richesses. Il n'a pas besoin de lui. C'est mafhoum, c'est compris? Pourquoi? Parce que c'est Al-Ghani. Et aussi pieux que tu puisses être, aussi nombreux que vous puissiez être, ça n'ajoutera rien au royaume d'Allah Azza wa Jal. Il est riche. Et de toute façon, il mérite cela. Pourquoi? C'est Al-Hamid. Donc ne sois pas orgueilleux. Ne te vante pas. Allah mérite ce que tu fais lorsque tu es le plus pieux possible. C'est compris? De l'autre côté, d'un autre point de vue, si toi tu délaisses l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de toute façon Allah n'a pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que c'est le Rani, il est riche. Et si tu arrêtes de l'adorer, est-ce que ça va entacher aussi peu soit-il Amada, le fait qu'il soit le digne de louange? Non, parce que Allah c'est le Hamid. Que tu l'adores, que tu le loues ou pas, c'est le Hamid par excellence. Voilà. Voici la faïda d'avoir mis Al-Ghani à côté de Al-Hamid dans plusieurs versets du Coran. C'était une faïda à la tariq qui est Jamila Jiddan. Ibn Athaymiyyah rahimahullah ta'ala a longuement parlé de ça dans la parole de cela et d'autres savants également. Jusqu'à présent, il ne me semble pas qu'on ait lu un hadith Qudsi, n'est-ce pas? Depuis le début du livre, on a lu un hadith Qudsi? On en a lu un? Ma'adkur. On est passé sur un hadith Qudsi. Donc on retiendra, vous vérifierez, Inch'Allah, que le premier hadith Qudsi du livre, chapitre 35, Bab al-Riya. Rappelez-le moi, je vais le noter moi aussi. C'est une faïd. Wadah? Ceci étant dit, qu'est-ce qu'un hadith Qudsi et comment différencier le hadith Qudsi du Qur'an? Du fait que j'ai dit que le hadith Qudsi c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Bab al-Tanjim. Taïeb. Non. Je ne sais pas si c'est un hadith Qudsi, on va vérifier. Je crois que le Prophète il a parlé aussi d'une partie. On va voir. Non, peut-être que Bab al-Tanjim. D'accord. Asbaha min ibadi biyam min na'amna. Mais ça, est-ce que c'est un hadith Qudsi? Taïeb, à la kulli hal, on vérifiera. Un hadith Qudsi, ma'nahu min Allah. Le sens, il est d'Allah. Wa lafdhuhu, et sa parole, certains disent que c'est la parole du Prophète sallam, qui dit le sens de la parole d'Allah. C'est compris? Le sens, il est d'Allah. C'est pas le Prophète sallam qui dit ça de lui-même. Mais les mots utilisés sont les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est compris? D'autres savants disent non. Lafdan wa ma'na. Le sens, ça c'est sûr, mais même les mots. D'accord? Il y a un khilaf sur cela. Quoi qu'il en soit, comment, ce qui nous importe ici vraiment, c'est comment faire la distinction et comment définir et comment vraiment délimiter cela de ceci. يختلف الحديث القدسي عن القرآن بعدة أمور. القرآن كله متواتر بخلاف الحديث القدسي. القرآن est venu de nombreuses chaînes de transmission, alors que le hadith القدسي peut ne pas l'être. On peut trouver un hadith القدسي qui est ضعيف par exemple. Mais le Coran, on ne peut pas trouver une lettre qui l'est. Le hadith القدسي يجوز روايته بالمعنى بخلاف القرآن. Hadith Qudsi, tu peux le citer selon son sens rapproché. Contrairement au Coran, tu ne peux pas le citer selon son sens rapproché. Je ne te parle pas de la traduction, je parle du Coran qui est en arabe. Al-Tahaddi, Zukira, Bil-Quran. Lire le Coran, là, le Hadith. Le défi qui a été
donné aux Arabes éloquents de ramener des paroles semblables a été fait, a été lancé avec quoi? Avec le Coran, pas avec le Hadith Qudusi. D'accord? Par exemple, إن كنتم في ريب مما زل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. طيب إذن ماذا من دون سور فأتوا بعشر سور وانكار من دون سورات. يعني الله عز وجل a défié les gens et leur a demandé de si il leur a dit que si le prophète sallam n'est pas véridique alors ramenez et que le Coran ne vient pas d'Allah alors ramenez un livre semblable. D'accord. Unissez, entraînez-vous-même aussi nombreux que vous puissiez être, les djinns, les hommes. Donc ramenez un Coran semblable. Évidemment, ils ont failli à cette mission. Alors on a allégé le défi. 10 sourates. Ils n'ont pas réussi, alors on a allégé le défi. Une courte sourate. Ils n'ont pas réussi. Et celui qui a tenté de s'essayer à cela s'est humilié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parmi les différences, le Coran يتعبد بتلاوته. Le Coran, on adore Allah Azza wa Jal de par sa récitation, contrairement au Hadith Qudusi. Parmi les différences, لكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها بخلاف الحديث القدسي. Parmi les différences, le Coran, lorsque tu le lis, pour chaque lettre, tu as une récompense qui t'est multipliée par 10. Qu'on te multiplie par 10. Contrairement au hadith, Qudusi. Le Coran, yujzi'uka fi salah. Tu peux le réciter dans la prière. Bi khilaf al hadith Qudusi. D'accord. Voilà ce qu'a cité Cheikh Salah Sindi. Et Allah alam, c'est dans l'Arba'a an-Nawawiyya. Quand j'avais pris de chez Atiyah Mohamed Salim, est-ce qu'il y a un point qu'on a cité en plus? Vous reviendrez à cela pour les francophones. Pour les arabophones, prenez le Sharh d'Arab al-Nawawi de Atiyah Mohamed Salim ou Hadith Qudusi et Ibad, si je me souviens bien. On tire de ce hadith azim que Riyah et Dadakhala fil Amal afsadah. أفسده ويحبطه الرياء si l'ostentation entre dans l'action du serviteur elle l'annule et il n'obtient de son action que la fatigue. Une mas'ala importante: lorsque rya entre dans l'action, est-ce que dans tous les cas l'action du serviteur est annulée ou pas? Donc il y a plusieurs plusieurs situations. Donc biljum là, de manière générale, lorsque Riya entre dans une action, elle l'affecte. Mais sinon il y a plusieurs situations. Dakana Riya an mahdha, c'est l'ostentation pure. Yani ma qasada wajha Allah al-batta. C'est-à-dire qu'il n'a même pas visé le visage d'Allah Azza. Il n'a pas voulu être sincère, il n'a pas fait l'adoration à la base pour Allah. Ceci, yani, on se pose même la question, est-ce que ça peut avoir lieu d'un musulman? Sinon, à la base, c'est fait par les hypocrites. Donc, sans aucun doute, cette action est bâtée là. Certains ont dit que ça peut avoir lieu, comme Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans certaines actions seulement apparentes par le musulman, comme le Hajj, comme le Sadaqa. Sinon, à la base, ça c'est les hypocrites qui ont cela. Mais ça ne peut pas se passer dans le Siyam ou dans la Salat. Il y a un musulman qui se lève du début à la fin et fait sa Salat juste pour avoir les éloges des autres. Tu ne trouves pas cela. Donc, les différentes formes et la réponse. Est-ce que ça annule l'action ou pas? Le premier cas, c'est que ce soit de l'ostentation pure. Il ne recherche même pas la récompense d'Allah. Il fait ça juste pour avoir les éloges. Le deuxième cas, qasad al-riya an-nas.
لكن أصل العمل ماذا لله. Donc il fait une action, mais l'ostentation entre dans son cœur pendant cette action. هذا العمل حابث بإجماع السلف. Ibn Rajab a dit la na'arif fi hadha khilaf. Donc quelqu'un qui faisait une adoration et rien est entré, ça annule son action. Il n'y a pas de divergence sur cela. La preuve de cela, le hadith qu'on vient de lire, taraktu wa shirka, je lui délaisse lui et son association. Donc, on ne le récompense pas pour cela. Il y a le consensus également sur cette question, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, l'ikhtiyara. Le troisième cas, an yakuna qasduhu wajha Allah. Taïb, afwan. Le deuxième cas, c'est en même temps. Il recherche le visage d'Allah et il recherche les éloges des gens. Le troisième cas, il recherche le visage d'Allah. Il fait son action pour Allah. Mais pendant son action, Ar-Riya vient à lui et entre dans son cœur. C'est compris ? La différence entre les deux cas, le deuxième et le troisième. Dans le deuxième, c'est en même temps, début de son action, il fait pour Allah et il fait aussi pour les gens. Dans le troisième cas, il fait pour Allah à la base. Là qu'il foutine, mais c'est une épreuve et il est tenté de par l'ostentation. Idha kana mujarrad khatir, idha kana khatiran, si c'est une chose qui est de passage, hein, une idée comme ça, ouest-ouest, plus c'est parti, le rejette, alors ça n'affecte pas son action est bonne et acceptée. Et il n'y a pas de divergence entre les savants sur cela. Maintenant, idha starsala ma'a. Maintenant, si l'ostentation reste avec lui, quel est le jugement de son action? À ce moment-là, il y a une divergence chez les savants. Quand on parle de divergence, on parle de l'action qui se découpe. On ne parle pas de l'action qui est dont la fin est rattachée au début. D'accord? Sur ça, l'action, elle est bâtée. D'accord? Mais sur... l'action qui se... Comment dire? Qui se décompose, la partie qu'il a fait sincèrement, elle est bonne, la partie qu'il n'a pas fait sincèrement, on en discute ou elle n'est pas bonne. Mais qu'en est-il de l'action qui ne se décompose pas? Par exemple, la salat. On ne peut pas avoir une raka'a seulement dans le dhuhr. C'est la salat entière. Est-ce qu'elle est bonne ou pas, sa salat? Mafhoum? L'action entière. Par contre, un dhikr, ça se décompose ou pas? Ça se décompose. Tu dis subhanallah, c'est un dhikr. Tu redis subhanallah, c'est un deuxième dhikr. Il peut être sincère dans le premier, pas être sincère dans le deuxième. Mafhoum? C'est ça la mas'ala. Voyez, c'est ça la mas'ala qu'on détaille. Donc les savants ont divergé lorsque l'action, la fin de l'action a un rapport avec le début de l'action. Quand c'est rattaché, on ne peut pas découper. Comme quoi par exemple, siyam. Si tu jeûnes juste 5 heures dans la journée et le reste tu ne jeûnes pas, c'est bon? On parle de siyam ici ou pas? Non, du lever du fajr, l'apparition de l'aube jusqu'à au coucher du soleil. Al-Hajj, pareil. Donc, si ça se décompose, il n'y a pas de problème. Ce qui, la partie qui est faite sincèrement, on l'accepte. L'autre partie, Maza, on en parle. Il y a plusieurs avis sur ça. Certains savants disent Maza, elle amel barté, cool. Ils ont une action, elle est barté là. Et ça, c'est un des avis qui est le plus fort. Par rapport au dalil qu'on a cité dans le hadith. Deuxième chose, le deuxième avis. La yuhbat amalu lakin yunqas ajru ou yunqas ajru. Le deuxième avis est de dire qu'on n'annule pas son action, mais la récompense diminue. Pourquoi? Car la base est pour Allah. Le troisième avis, yuthabu ala qadri alladhi asluhu. L'avis suivant est de dire qu'on le récompense pour ce qu'il avait pour Allah et le reste sera rejeté. Mais l'avis qui semble être le plus juste est le premier, c'est-à-dire qu'il est rejeté. Il est rejeté. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit taraktu wa shirka, je le laisse lui et son association, lui et son shirk.
Et dans un autre hadith, Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisa wa btughiya bihi wajhu. Dans un autre hadith, certes Allah n'accepte parmi les actions que ce qui a été fait sincèrement et à travers lequel on recherche, à travers laquelle on recherche son visage. Donc ça c'est une qa'ida. Ça c'est une qa'ida. Il y a un dernier cas. Fima idha kana ar-riya lahiqan lil-amal. C'est quoi? C'est lorsque l'ostentation vient sur la personne, mais après qu'il ait fait son action. Vous comprenez? Il a fait Qiyamul Layl. Il n'a été vu de personne. Ensuite, il vient dire aux gens, je suis fatigué, j'ai prié 2 heures cette nuit, ou à Kadha, ainsi de suite. À quand j'ai fait tel sadaqa, à quand j'étais à... ainsi de suite, ici, c'est bonnes actions. J'aide un tel, je dépense pour un tel, j'ai acheté ça, c'est moi qui ai acheté le micro au masjid, c'est moi qui a... Yanni qui nettoie le masjid, c'est moi qui. D'accord? Donc l'action est finie. Puis lui vient, il en parle afin d'avoir une place dans le cœur des gens et qu'il passe ses éloges. Qu'en est-il? Yanni, quel est le jugement pour cela? Donc la base de cette question, donc lorsque l'ostentation intervient après l'action, a deux formes. La première, un yadhar al-amal biduni qasdin min. Premièrement, que l'action soit à un mada devienne connue auprès des gens sans qu'il n'ait à voir dans cela. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a fait connaître son action, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui a décrété cela, au point qu'a décrété une cause et les gens l'ont su. Les gens l'ont su. Donc, duna izhari min sahibi. Donc l'homme n'a pas été la cause, n'a rien fait pour que les gens sachent, mais ils l'ont su. Il n'y a aucun problème dans cela. Il y a même un hadith dans lequel le prophète... Puis, il se peut même que cet homme ensuite se réjouit parce que les gens font ses éloges et disent du bien. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ajila bushra al-muslim » C'est comme une bonne nouvelle qu'on lui donne ici. C'est-à-dire avant la bonne nouvelle de l'au-delà. Donc il peut se réjouir de cela, il n'y a pas de mal. La deuxième situation, أن يظهر عمله رغبة أن يعظم في أن يعظم في أعين الناس وماذا وطلبا لمدحهم وثنائهم. La deuxième situation, c'est qu'il fasse savoir aux gens sa bonne action afin de prendre une place dans leur cœur et qu'il fasse ses éloges. قال بعض العلماء هذا رياء. Certains parmi les savants disent c'est رياء. قال آخرون سمعة ولا رياء. Ils ont dit on va appeler cela سمعة et non pas رياء. Il y a ce qu'on appelle رياء, vous savez ce que c'est. Tu fais une action afin que les gens voient cette action et fassent tes éloges. Il y a ce qu'on appelle سمعة. Dans رياء il y a la vision et dans سمعة il y a l'écoute. D'accord? Oui. ماذا? Cela nous amène à une autre masala. Cela nous amène à notre mas'ala. Et quelle est la différence entre Riya et Sum'a? Est-ce qu'il y a une différence? Certains savants disent Riya c'est Sum'a, Sum'a c'est Riya. D'accord? Si ce n'est que Riya c'est avec la vue et Sum'a c'est avec l'ouïe. Et d'autres parmi les savants ont dit une parole très intéressante. Riya wal muqarin lil amal. Wa Sum'a ma kana lahiqan ba'da inqida'i al-amal. Certains ont dit riya, c'est ce qui a lieu pendant l'action. Tu fais l'action pour qu'on le voit. As-sum'a, c'est lorsque l'action est finie et que lui en parle aux gens. Donc si on prend le premier avis, on dira que celui qui embellit sa salat est tombé dans riya, celui qui embellit sa lecture du Coran est tombé dans sum'a. Si on prend le deuxième avis, si ça se passe pendant qu'il fait l'action, on appelle ça Riya. Ça se passe après, c'est-à-dire qu'il va parler aux gens lui-même, ça s'appellera Sum'a. Donc, on revient à notre question, est-ce que son action sera annulée ou pas? Il a fini son action, il va en parler aux gens pour avoir une place dans leur cœur et qu'il passe ses éloges. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِي مَعْصِيَةٌ لَكِنْ لَا نَقُلْ بِحُبُوطِ عَمَلِ. Certains parmi les savants ont dit c'est un péché, mais on ne va pas dire pour autant qu'on va annuler son action. Qala akharun hadha muhbitun lil amal.
D'autres ont dit ça annule son action. Et en vrai, il n'y a pas une grande différence entre Riya et Sum'a. Et l'avis qui semble être le plus juste, c'est de dire que ça peut annuler son action. Parce que Allah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man ra'a yura'i Allahu bih wa man sam'a sam'a Allahu bih » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui fait de l'ostentation, Allah le dévoilera. » Et celui, après il utilise le mot « sam'a » Yani qui, après avoir fait son action, va voir les gens et en parle, Allah Azza wa Jal va le dévoiler, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Il va le dévoiler, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Voilà pour la mas'ala. En gros, celui qui est éprouvé par Riya, s'il le repousse, son action est bonne. Si elle est juste de passage, son action est bonne. S'il combat son nefs pour le repousser, son action est bonne, en plus sera récompensé. Si Riya reste, ça annule son action. S'il fait à la base pour Riya, sa action est batila. S'il fait une bonne action et ensuite Riya entre et ne repousse pas, son action aussi est batila. Si après avoir fait son action, il va voir les gens pour recevoir leurs éloges, son action pourra être aussi batila. Le dernier hadith. An Abi Sa'id. مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد أبو سعيد رضي الله عنه rapporte ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Ne vous informerai-je pas de ce que je crains plus pour vous que le faux Messie, l'Antéchrist, le Messie Ad-Dajjal? Les compagnons ont répondu bien sûr au messager d'Allah. Il dit, il s'agit du polythéisme caché. C'est quand l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière car il sait qu'un homme l'observe. Il embellit sa prière pourquoi ? De ce qu'il ressent comme regard posé sur lui. Il sait qu'il est observé, qu'il est observé, rapporté par Ahmed. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a trouvé les compagnons assis en train de parler du Messie ad-dajjal. Wajada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sahabahum yatahaddathu madha 'an al-masih wa khuturatihi. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغل هذه الفرصة ليدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك دائما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ودعاة المصلحين فقال لهم ألا أخبركم بما أخفف عندي عليكم من المسيح الدجال. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم est en train de parler de l'antéchrist, du faux messie. Il a utilisé cette occasion pour leur faire da'wah à التوحيد et les mettre en garde contre le shirk. المسيح الدجال المسيح سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها بسرعة. المسيح الدجال on appelé مسيح soit parce qu'il a un œil qui est comment on va dire ça qui est ماذا il a un handicap sur un œil يعني littéralement effacé d'accord il a un œil dont la lumière est éteinte. Il a un œil borne. D'accord ? Dans ses deux yeux, il a un défaut. Les gens pensent qu'il a un défaut à un seul œil. Non, dans les deux. D'accord ? Il y a beaucoup d'autres détails, Inch'Allah Ta'ala. Allah facilite, il y aura une khutbah sur cela en détail. Une muhadhara même, parce que ça ne suffira pas une khutbah. D'autres ont dit, on l'a appelé Messie car il parcourt la terre d'une manière très très rapide. Concernant le mot Dajjal, et Kathir ou Dajjal. Dajjal c'est le Kadhib. Dajjal c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Là, personnellement tu dis, yani Kazaba ou Kadhiba. S'il ment beaucoup, Kazoub ou bien Kazab.
Et si ça devient une caractéristique intégrante, d'accord, une partie composante de sa langue, alors à ce moment-là, on dit Dajjal, il ment tout le temps. Et pas, il peut dire une chose véritable. Mais sinon, sa base, c'est qu'il ment tout le temps. Donc, parmi les piliers de la politique, Ad-Dajj. Hein? Parmi les piliers de la politique, Ad-Dajj. Allah musta'an. Mais c'est Ad-Dajjal, sachez que c'est la plus grosse fitna fit dunya. Au point où le Prophète sallam a eu peur de cela pour Sahaba. Et a mis en garde sa communauté, nous a dit de chercher protection auprès d'Allah contre le Ad-Dajjal à la fin de salawat. Celui qui ne connaît pas la dua après Tashahhud al-Akhir, il faut qu'il l'apprenne. Hein, cherche refuge auprès d'Allah contre quatre choses. Parmi ces quatre choses, il y a quoi? Parmi fitna timan. Al-Masih Ad-Dajjal. Donc c'est une chose vraiment dangereuse. Ah, il est là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: ne vais-je pas vous informer d'une chose que je redoute encore plus pour vous que le Masih Ad-Dajjal, alors que vous avez entendu que c'est la plus grosse fitna fi dunya. Et il leur dit quoi? Ash-shirkul khafi. Le polythéisme qui est caché. Le polythéisme qui est caché. Donc Ar-Riya, c'est la chose la plus grave, la plus dangereuse. Le prophète sallam a eu peur de Riya, du Riya pour ses compagnons. S'il a eu peur de Riya pour les meilleurs des créatures après les prophètes, les gens les plus pieux, les plus sincères, comment est-ce qu'on devrait être nous? On doit avoir peur pour nous ou pas? Le prophète sallam parle et s'adresse à qui ici? Il s'adresse aux meilleurs des compagnons, aux meilleurs des hommes plutôt, les compagnons. Donc à plus forte raison, nous on doit avoir peur pour nous. La personne qui n'a pas peur de Riya sera la personne la plus proche de son face. C'est pour ça qu'il faut avoir peur de Riya pour s'en prémunir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est appelé le shirk, shirkul khafi. Riya shirkul khafi. Pourquoi khafi? Le polythéisme caché. L'annahu ghayru zahir. La yattali'u alayhi illallah. Pourquoi on l'appelait shirk khafi? Parce qu'il n'est pas apparent, il est caché. Seul Allah azza wa jal en a connaissance. Il se peut même que la personne elle-même qui agit, le shirk khafi, soit caché à lui-même. C'est-à-dire qu'il agit, il pense qu'il est fils à Benillah. En fait, il ne fait pas ça pour Allah. Et ça, c'est khatir jiddan dans la da'wah. Nas Allah yahfadana. Dans la da'wah, dans talibul ilm. C'est khatir jiddan. Mathalan, je te donne un exemple. Tu lis le Coran et tu embellis ta voix. Quel est le jugement dessus? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu vas toucher avec cette belle récitation le cœur des gens. Tu vas leur faire da'wah avec ta récitation. La même personne, elle embellit sa voix, mais pour qu'on dise de lui, il a une belle voix. Pour qu'on dise de lui, c'est le meilleur. Pour qu'on ait la même action exactement, regardez, lui, il fait du khayr, et lui, il est tombé dans As-Sum'a ou bien Ar-Riya. C'est khatir jiddan. Personne ne doit se sentir à l'abri de l'ostentation. Combien de gens pensent qu'ils sont fils à Bélila? Ils ne sont pas fils à Bélila. Ad-Da'i, par exemple, le prêcheur, ou bien le savant qui appelle à une chose, il appelle à une vérité. Mais il veut qu'on accepte cette chose parce que c'est lui qui le dit. Il n'est pas fils à Bélila. Lam yad'u ila Allah, bel da'i la nafsi. Ibn Athaym dit que cette personne-là n'a pas appelé à Allah, elle a appelé à sa propre personne. Le signe de cela, c'est que lorsque tu n'acceptes pas sa parole, il se met en colère, il ne supporte pas. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il ne veut pas te guider vers Allah. Il veut que tu reviennes à lui. Et que lorsqu'il dit une chose, tu n'es pas le choix. Donc, en d'autres termes, tu vas le prendre comme un prophète. Subhanallah. Donc, attention, le prêcheur, il ne doit jamais oublier pourquoi il parle aux gens. C'est pour ça que le prophète a fait patienter 23 heures avec des gens qui l'ont combattu. Mais celui qui ne fait pas ça pour Allah, il ne peut pas patienter. Comment tu vas patienter alors qu'on te frappe, on t'insulte, on parle sur toi, on parle sur ton épouse?
et ainsi de suite. Et toi, tu appelles les gens au paradis. Tu vas dire, khalas, comment tu veux que je lui fasse da'wah? Il a parlé sur moi, il a parlé sur ça. Non, tu ne fais pas ça pour Allah. Tu ne fais pas ça pour les gens, tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tu n'arrives pas à ça. Les gens se disent, mais tu lui dis, va le voir. Excuse-toi. Il dit, non, c'est lui qui est en tort. C'est la preuve qu'il ne veut pas s'excuser pour Allah. Il veut s'excuser pour la dunya. Il veut s'excuser pour la dunya. Sinon, il n'aurait pas eu de mal à se réconcilier avec des gens qui lui ont fait du dhulm tant que la religion est préservée. D'accord ? Même à celui qui ramène du mal dans la da'wah, d'accord, on ne l'excuse pas comme ça. Il ramène du mal, on excuse, il continue, et on excuse, il continue. Ou bien quelqu'un qui fait toujours du mal, on l'excuse, il recommence, on l'excuse, il recommence. Lui, dans certaines situations, c'est mieux de ne pas l'excuser, comme a dit Ibn Uthaymeen. Sinon, il va continuer, ça l'encourage dans son mal. Donc, le sens général de ce hadith est que le prophète sallam a trouvé les compagnons en train de discuter du Messie Dajjal. Se rappeler la fitna, le grand trouble de l'antéchrist. Et se faisaient peur les uns les autres de l'antéchrist. Alors le prophète sallam leur a cité une chose qui est encore plus dangereuse et nocive que l'antéchrist. C'est quoi? Le shirk. Quelle forme de shirk? Ar-riya, le shirk caché. L'ostentation. Le mada, le défaut du cœur. Le défaut du cœur. Dans la niya. Dans l'intention, dans le but recherché. Donc il fait montrer aux gens qu'il est pieux. Mais en vrai, Allah Azza wa Jal sait dans son cœur qu'il ne fait ça que pour avoir les éloges des gens. Puis le prophète sallam nous a expliqué ce qu'est Riya, Shirkul Khafi, en nous disant Yaqumu ar-rajulu fayusalli. L'homme se lève et fait la prière. Fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. C'est alors qu'il ressent le regard de quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il embellit sa salat, car il a su que quelqu'un l'observait. Ça, c'est Riya. On voit qu'il recherche les éloges, il recherche une place chez la créature. Nasabat al-hadith lil-bab, al-tahdhir min al-riya, wa tafsiruhu wa bayanu khuturati. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre, car il y a une mise en garde contre l'ostentation, l'explication de ce qu'est l'ostentation, embellir son action à la recherche, ou bien enlever son action suite au regard des gens, pour avoir leur agrément et leurs éloges. On nous montre également la dangerosité de l'ostentation. Le fait que c'est pire, c'est un trouble plus dangereux que le trouble de Al-Masih Ad-Dajjal. On tire de ce hadith, une des manières d'enseigner la science. Quelle est la manière utilisée ici par le prophète sallam? Question-réponse. Question-réponse. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي ونصحه لهم ونصحه لهم. La grande compassion qu'avait le prophète صلى الله عليه وسلم envers les membres de sa communauté. Et c'était le meilleur des conseillers, il était véridique envers eux. الرياء خوفه على الصالحين من فتنة مسيح الدجال. Le trouble, la dangerosité de l'ostentation est plus grande, conséquente que la dangerosité et le trouble de Al-Masih Ad-Dajjal. Pour que ça vous touche vraiment, en fait, il faudrait savoir quelle est la fitna de Masih Ad-Dajjal. Pour vraiment savoir de quoi on parle ici. Al-Tahdhir min ar-riya wa min ash-shirk 'umuman. La mise en garde contre l'ostentation et le shirk de manière plus générale. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا كما أسأل تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين الرياء كما بعد بين المشرق والمغرب إنه أكرم المسؤول وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك